Il pleut à Nice, par 30 degrés au soleil. Au parc Carole de Roumanie, pour faire tomber la pluie, il suffit d'appuyer sur le bouton. En fait, il faut attendre que ça s'éteint. Ça, c'est une zone d'aspersion. En clair, un espace public doté de brumisateurs. En période de chaleur, le lieu a beaucoup d'amateurs. Sans les brumisateurs, il fait trop chaud. Donc on cherche les jardins avec les brumisateurs. Pour faire redescendre la température corporelle, on peut bien sûr s'abriter dans les lieux climatisés. De son côté, la ville poursuit son plan végétalisation avec un credo. Le béton ne doit pas faire grimper le thermomètre. Exemple, avec le projet du stade du Rail. On a créé des bâtiments, c'est quelque chose d'absolument innovant avec un architecte qui travaille dans le monde entier sur ces sujets-là, où la végétation, elle ne reste pas au sol uniquement, elle remonte sur les façades et là aussi, on va avoir un effet climatique extrêmement important qui participe de la qualité. Pourtant, dessous, on a du béton. Des jardins pousseront donc sur les toits et des vélos rouleront bientôt là où les bus ne le feront plus. En attendant cette déminéralisation, ce passage du gris au vert, on peut déjà arpenter la promenade du Paillon et tenter de battre, au frais, le record du 110 mètres jet.